Cinéma, Taxi Téhéran nous embarque au cœur de l'Iran profond. Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rire et émotion. Malgré sa condamnation en 2010 qui lui interdit de réaliser des films durant 20 ans et de quitter le pays, Jafar Panahi réalise avec Taxi Téhéran son troisième film après son procès. Particularité du film, afin de tourner sans se faire remarquer, l'équipe a placé trois caméras dissimulées dans le taxi. N'ayant pas de place pour d'autres membres de l'équipe technique, Jafar Panahi a dû tout seul gérer le cadre, le son, le jeu des acteurs et son propre jeu, tout en conduisant son taxi. Et afin de protéger l'identité de ses passagers, Jafar Panahi n'a pas mis de générique de fin à son film. Merci de rester scotché sur les programmes de Ubisoft. Votre chef, il faut nous entendre. Ici, c'est un homme qui me fait vivre. Les plus proches de toi et les plus mauvais ennemis. Je pense que c'est un homme qui me fait vivre.